C'est vrai que j'ai mis beaucoup d'eau quand même. Et yo, une petite lame CGX. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir le nouveau clavier Klim. Donc vous allez voir que c'est un clavier ouf parce qu'on m'a dit on va renverser de l'eau dessus parce qu'il est waterproof. Et puis voilà, on va bien s'amuser en tout cas les amis. Du coup on va prendre le couteau CSGO. Hop, on ouvre la boîte assez facilement, voilà, avec une main, franchement, que demander de mieux. Parfait, hop, ok. Ok, on va l'ouvrir, puis on va voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte de tester le clavier. Donc c'est un clavier semi-mécanique, vous allez comprendre, c'est assez cool. En plus, j'ai pas l'habitude d'ouvrir des semi-mécaniques. Oula, ma lumière, merde. Oh merde. Voilà. Ok, donc voilà, le petit packaging qui passe crème. Vous avez vu un petit peu toutes les caractéristiques du clavier. De toute façon, je vais vous les citer tous une par une. Bref, j'ai vraiment hâte d'ouvrir et de renverser de l'eau dessus une fois qu'il est branché pour voir ce que ça donne. Franchement, pour être sympathique. Ok. Voilà, ce petit clavier, on va l'ouvrir. Il a un prix abordable, franchement, 39,90€. Pour un clavier, ça passe crème. Après, je sais pas s'il est vaut ou pas, mais normalement, les produits Klim, c'est toujours de la bonne qualité. On va donc l'ouvrir. Ok, voilà. Alors, déjà, il y a plusieurs protections. Ça, c'est cool. On va l'enlever de sa protection. Donc, au moins, vous êtes sûr qu'il pourra pas se casser pendant le transport. Par rapport au produit Wish, par exemple, que vous prenez avec un emballage vraiment fait à l'arrache de ouf. Là, au moins, vous avez vraiment un bon truc. Ok. Alors, normalement, il est anti-rayure et il est garanti 5 ans. Donc, si vous avez un problème en l'achetant, vous pouvez vous le faire rembourser. Vous pouvez l'échanger tout simplement. Alors, ok. Donc, voilà, il fait vraiment pas de bruit. Alors là, par contre... Là je peux vous assurer qu'il fait pas de bruit, ça fait vraiment bizarre par rapport à avant. Donc on va bien tester tout ça, on va le brancher, on va le sortir et puis voilà. Voilà, on sort les notices et on va le brancher. Donc je vous incite vraiment à mettre un petit pouce bleu, ça pourrait faire super plaisir. Donc franchement si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Et on verra peut-être que je le ferai gagner dans une prochaine vidéo. Ça dépend si vous bombardez les likes sur cette vidéo, je verrai. Ok, donc on a les notices, donc ça c'est assez bien fait. Une petite enveloppe Klim, alors en plus c'est chroma et tout, alors attends. Franchement c'est bien foutu, on a plusieurs trucs. Déjà des autocollants Klim, alors ça c'est vraiment cool. C'est des petits autocollants, c'est ce qu'ils font aussi Razer. Bon je vous cache pas que ça leur fait de la pub un peu en faisant ça dans chaque clavier. Mais bon c'est bien, franchement tant mieux pour eux. On a toutes les notices. Gros, en toutes les langues. Donc au moins c'est précis, tu vois, genre vraiment c'est précis. Ça c'est cool, il y a vraiment beaucoup de langues. Ok, c'est parfait. Du coup petit autocollant Klim, il y en a 4. Et en plus ils sont bien foutus, genre ils sont pas faits comme de la merde et tout. Clairement c'est nice. Hop, on a vraiment la notice pour le clavier. On va le mettre de côté pour l'instant. Le câble est tressé, par contre je viens de le voir, il est tressé le câble, donc c'est un point positif. Clairement j'aime bien avoir des items gaming avec des câbles tressés. Donc voilà, alors déjà le fil est assez grand, franchement il est très grand même. Mais effectivement il est très grand, on va le brancher. Hop, voilà, on va voir ce que ça donne. Donc il n'y a pas besoin de pilote, à ce que j'ai vu il n'y a pas besoin de pilote, donc c'est assez cool. Donc il fait vraiment pas de bruit, et par contre je sais pas la réactivité, de toute façon on va tester en jeu tout simplement. Il y a plusieurs modes de couleurs. Ok, donc là vous avez beaucoup de couleurs, ça me rappelle mon ancien clavier que j'avais, vous pouvez faire ça. Bah sinon c'est clean, hein. Franchement c'est clean. J'ai vraiment hâte de prendre l'eau et de le renverser pour voir ce que ça donne. Je vais prendre de l'eau, un petit gobelet, puis on va voir ce que ça donne. J'essaie de filmer au ralenti, comme ça on verra bien l'eau tomber. Ça va être assez cool, je vais pouvoir tester mon nouveau téléphone, le Samsung Galaxy S8, la qualité photo. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller voir le code promo dans la description. Vous aurez 5% de réduction avec mon code. Donc ce code, il avantage que vous. Donc profitez-en, vous avez 5% sur toute la boutique. En tout cas, voilà, je vais chercher de l'eau, puis on va tester ça. Ok, donc les amis, j'ai pris un verre, une cuillère, de l'eau et 3 colorants alimentaires. Donc j'ai voulu m'amuser. Alors on va remplir le premier verre avec du bleu. Je crois que ça tâche de ouf ça. On va d'abord mettre l'eau. J'ai dosé comme un bâtard. Putain. Ok. On va mettre un petit peu de rouge. Ah le con. Ah merde. Oh trop stylé. Faut que j'ajoute du jaune. Wow, ça fait de ses couleurs. Par contre assez dégueulasse. Le con. Oh merde. Putain. Oh non. Oh merde. Eh merde. Je vais pas te cacher. En secret c'est dégueulasse. Putain. Je sais plus comment on fait la couleur là. C'est vraiment pas beau hein. Je pense qu'on va acheter ça. Attends. Tiens. Gros, dégueulasse. Ok, donc je pense qu'il faut ajouter une petite goutte, mais vraiment une petite, de rouge et de bleu. Parce qu'en fait, je voudrais du violet, tu vois, ce serait stylé.
Voilà, là c'est une belle gueule là. Oh merde! Bref, c'est pas le résultat escompté, mais bref. Ok, du coup on va tester ça. Oh merde, j'ai peur. Oh merde. Oh merde. Marche encore. Waouh. C'est vrai que j'ai mis beaucoup d'eau quand même. Ah, ah le con. Non mais là, ça a l'air de vraiment résister. Vraiment. Oh, on dirait que j'arrose des plantes. Oh merde. Bon, alors je sais pas du tout ce que ça a donné. Mais bref, ça a l'air vraiment de tenir. Du coup, bah je vais m'emmerder à tout nettoyer. Ah ouais, c'est les marécages en dessous. Ah, et nos fake. Ok, du coup on se retrouve en jeu avec le clavier. Je l'ai testé pendant 2 jours environ et franchement bah ça change vraiment. Il est semi-mécanique et il fait vraiment aucun bruit limite. Et on va faire une game et on va voir ce que ça donne. Je commence vraiment à me lasser de Funcraft. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Mais je trouve ça vraiment répétitif un peu de jouer sur le serveur. Je vais sans doute tester Fortnite et pourquoi pas faire quelques vidéos de temps en temps sur le jeu. Je fight un peu et tester le produit de chez Klim. Je fais souvent des lives aussi, activez les notifs et dites en commentaire que vous avez activé les notifs. Je mettrai un cœur sur votre commentaire. Je vais sans doute mettre la facecam à partir de 300 viewers constants à chaque live, ça pourrait être intéressant. Mais je considère qu'en dessous d'environ 300 viewers, bah ça vaut pas le coup de mettre ma cam tout simplement. Donc si vous êtes nombreux sur mes lives, bah je mettrai sans doute la cam. Non! N'oubliez pas, code promo dans la description, valable environ 3 jours après la sortie de la vidéo, donc n'hésitez vraiment pas, ça peut être sympa quoi. Vous avez 5% sur toute la boutique, j'ai vraiment hâte que mon serveur il ouvre, je pourrais enfin vous faire des lives dessus. Puis en fait ça fait longtemps qu'il doit ouvrir, tous les builds sont quasiment faits, il manque juste du code, il y a beaucoup de code à faire. Donc si vous êtes développeur au passage, bah venez sur Twitter, on essaiera de vous rémunérer et vous intégrer au projet. Ok, alors là... Bon, cette game c'est un peu un massacre, je vous avouerai. Ok, bon voilà, GG. On se retrouve pour la conclusion du clavier. Donc du coup, on se dit à tout de suite. Ok, donc conclusion sur le clavier. Je trouve déjà que le prix est abordable. 39,90€. C'est pas trop cher pour un clavier avec une base en métal. Il est waterproof, semi-mécanique et il a différentes couleurs. C'est assez cool. J'ai pas vu si on pouvait changer les couleurs comme sur un Black Widow avec des animations. Mais voilà, il est pas trop cher donc. Son prix n'est pas abusé. Le design est bien foutu clairement, vous pouvez voir. Il est bien foutu quand même. Ce qui m'intrigue le plus en fait, c'est que ça soit en métal. Pour seulement 39€. Il est waterproof, hein, clairement, ça fait plus d'une journée que j'ai laissé sans trop l'essuyer. Et bah il a rien, on peut utiliser toutes les touches. Les LED ne sont pas mortes. On peut baisser la couleur comme ça et l'augmenter. C'est clean. Voilà, il a différentes couleurs. Donc allez voir la description pour vraiment plus d'informations. Et si vous êtes intéressé par l'achat d'un clavier, et bah allez voir tout simplement. En plus vous avez un code promotionnel valable durant 3 jours. Donc profitez-en. Et puis voilà, merci Klim pour m'avoir envoyé ce clavier que je trouve vraiment sympathique pour un semi-mécanique. Vous pouvez voir, on peut l'enlever, j'ai essayé hier. Voilà comment ça fait. C'est clean, on peut enlever les touches. Voilà, moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mettez un petit pouce bleu. Et puis abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Je fais souvent des vidéos, je fais du Minecraft et je fais un petit peu de tout. Donc voilà, abonnez-vous, moi je vous laisse, c'était GX. Et puis on se retrouve à ce soir pour un live et à demain pour une prochaine vidéo.